Non, aucun regret. Donc, on savait que ce serait très très difficile. Et à partir du moment qu'ils ont ouvert le score, c'était vraiment une mission impossible. Mais quand même, on a réussi à marquer contre Joux. Même Barcelone n'a pas réussi. Ça fait, je pense, presque 700 minutes que personne n'a aucune équipe a réussi de marquer ici. Donc, mais bon, félicitations à Joux. Ils ont été plus forts. Mais là, j'aimerais quand même retenir cette saison exceptionnelle et parcours exceptionnel européen. Nous sommes première équipe dans l'histoire de Ligue des Champions, équipe qui a commencé un tour préliminaire et a réussi à aller jusqu'à demi-finale. Donc. Est-ce que la marche était trop haute dans cette double confrontation face à Juventus? Est-ce que c'était dès le début trop compliqué pour l'ASM? Oui, dès le début, on savait que c'est un football qui est difficile. C'est une équipe qui a une façon de jouer qui est pas bien pour nous, donc c'est vraiment très très fermé, très bien organisé, donc on préfère un football plus offensif, on préfère jouer plus au football. Là c'est un peu différent, les joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont vicieux quand même, donc tout ça joue un rôle important. Non, pas aucun regret, mais quel regret, c'est un exploit, et d'abord je félicite les joueurs, l'entraîneur, tous les clubs, le staff, c'est vraiment exceptionnel ce que nous avons réussi avec l'équipe la plus jeune de Champions League, avec un budget qui est 3 ou 4 fois moins que Juve ou 5 ou 6 fois moins que Real, c'est juste exceptionel. Et encore une fois, on parle regret, il y a 4 ans, à ce moment-là, en mai 2013, et j'étais là déjà, on a joué en Ligue 2.